Le Téléthon, Sportissimo, tout le sport. Au cours de sa carrière, Gérard Holtz a animé de nombreuses émissions à succès. Si le journaliste avait de nombreux fans, CIST après 44 ans de carrière qu'il faisait ses adieux à la télévision le 24 juillet 2016. Si avoir un père célèbre en ferait rêver plus d'un, son fils, Julien, a assuré que sa notoriété avait été parfois négative pour leur famille. Vendredi 24 juin 2022, pour Télépro, il a déclaré, « On en a un peu souffert. Notre père ne nous appartenait pas. Dans les années collège, les élèves font des choses parfois pas très sympas. On est mis de côté. Si y est-il une période que j'ai un peu mal vécue. À partir de 18 ans, ça a changé. » Étant du même avis que son fils, Gérard Holtz a lâché, « C'était des moments gâchés. On partait en vacances, les gens me tiraient par l'épaule pour prendre une photo, on venait me voir sans cesse à table ou dans la rue. C'était de la gentillesse, mais quand on est en famille, ça gâtait un peu. » Alors qu'il a longtemps refusé de signer des autographes, l'ex-star de la télévision a expliqué, « Cela ne servait à rien pour moi. On me demandait toujours pourquoi je refusais, cela me prenait tellement de temps à expliquer que j'ai décidé de faire des autographes par la suite. Je pensais que ça allait disparaître. » Enfin, il a ajouté, « Quand j'étais à Rome dans la Villa Médicis, c'était presque l'enfer. On me dit souvent que j'ai bercé l'enfance des gens. Dernièrement, une dame me voit au Monoprix, elle se retourne une fois, deux fois, trois fois et elle me dit, « Ne me dites pas que si y est-il pas vous. » Gérard Holtz, j'ai regretté deux choses au cours de cet entretien, l'ex-journaliste a évoqué les regrets qu'il avait par rapport à sa carrière. J'ai regretté deux choses. La première est d'avoir dit oui à Sportissimo, je voulais faire un magazine avec des reportages sur le sport et la production m'a balancé des changements, j'aurais dû dire non, a-t-il d'abord confié. Enfin, il a ajouté, la deuxième est le journal de 13 heures pour les conditions, je n'étais pas bien entouré, je ne me suis pas assez entouré pour me protéger. Il y a eu des bagarres internes pour faire passer des idées, j'ai regretté d'avoir fait le 13 heures dans ces conditions-là.